Psaume 101. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je n'émettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des secrets hautains et un cœur enflé, je ne les supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tout ce qui commet l'iniquité. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, c'est avec un pile plaisir pour nous capables de méditer sur le psaume 101. Alors, David, pour être capable de diriger le peuple là, il était développé et programmé un ensemble de vie, de mode de vie et de conduite. Dans ce structure psaume, nous sommes liés. Nous sommes capables de garder, nous sommes capables de dire avec toute clarté, dans verset 2, dans verset 3, comment David t'est comporté en tant qu'homme dans la vie privée, comment t'as mené la vie privée. Dans verset 4-5, il parlait de vie publique et choix collaborateur pour aider le gouverner. Et verset 6-7 lui montrer qu'il formule lui utiliser pour guider, pour l'établir gouvernance li en tant qu'homme d'État. Et si on voulait mener une vie, on capable de dire droite en tant qu'homme d'État, en tant que président, en tant que roi du pays, qu'on façon pour mener vie ça. Parce qu'un bon chef d'État se reconnaît par ses décisions pour une vie intègre. Un bon chef d'État s'entoure d'hommes intègres. Un bon chef d'État est entouré des hommes droits, des hommes et bien qui honnêtes, des hommes fidèles. Un bon chef d'État est banni autour de lui-même des fraudeurs, des menteurs, monde qui a pratiqué fraude, monde qui a vive dans le mensonge, qui a et fait propagande, faux propagande sans y'a pas exécuté, bien les tirer.